Salut à tous, c'est Mister666. On se retrouve pour un nouvel épisode de Comment m'a débuté sur Feed the Beast. Aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer ce que j'ai fait durant l'entre-deux vidéos. Donc, j'ai fait un bâtiment pour nos machines. Comme ça, c'est un peu plus joli, etc. Donc, ça a presque rien changé. Allez, on monte, on va peut-être mettre une torche ici, voilà. Un peu plus clair, donc on a toujours notre MFSU qui se vide à cause des machines. Bon, voilà, on a notre MV Transformer ou LV, j'ai toujours un doute. Ouais, donc celui qui fait passer de 512 à 128. Nos trois panneaux solaires version ancienne, ouais, anciennement, comment crafter dans Direwolf. Ici, j'ai fait passer. Pour arriver à un MFE. Pourquoi je suis tombé là-dedans? Donc j'ai fait pas mal passer les câbles sous la terre. Vous verrez bien. Ah, il est vide. Ok, donc il se charge parce qu'il est en train de pomper une chaîne. Donc il faudra que je le remplisse Enfin, que je mette plus de panneaux solaires. Voilà, donc après là j'ai pas fini encore le bout. Voilà, mais puisque c'est pour s'agrandir au fur et à mesure. Et donc on voit ici, j'ai dû mettre une couche de bois en plus pour pouvoir cacher tous les câbles. Donc là on a toujours nos machines avec rien qui cuit dedans, mais c'est pas bien important. Ça c'est vraiment au cas où on a besoin, mais après avec le farm automatique, enfin la machine, le décoffre automatique, on n'aura pas besoin. Donc ici les trois machines qui fonctionnent à l'autre sorte de câblage. Donc j'ai fait, je peux vous montrer ici, voilà, j'ai par dessous non, mince. Vous voyez que par dessous j'ai tout fait, j'ai transformé là-dessous il y a trois moteurs qui tournent et j'ai tout transformé pour que ça puisse passer en cette énergie là. Et donc j'ai mis de ce côté là toutes les machines qui marchaient à cette énergie là. Donc ceci, donc avec trois moteurs, ça va beaucoup plus vite hein. Comme vous le voyez, ça produit à une vitesse assez, enfin pas folle, mais ça craft pas mal. Et sinon j'ai aussi dû déplacer un tout petit peu ça, mais ça a rien changé de plus, à part que il me manque un peu des pouces et que ça va pas très vite puisque ça bouffe pas mal le reste. Bon, ça je sais pas pourquoi c'est là, ça non plus d'ailleurs. Voilà, donc ça on peut poser là et voilà. Vous savez quoi, on va se faire un panneau solaire version nouvelle, enfin version ultimate, ça vous savez. Et également, enfin faut qu'on retourne de toute façon à notre base. Hop. Donc la quarry, normalement c'est bon, j'ai trouvé un nouveau monde, il faudrait que je remette la quarry, voilà, il faudrait que je la remette. Ici, donc la dernière fois j'avais eu un doute, mais j'ai vraiment pas pensé. J'ai arrêté la vidéo et 30 secondes après j'ai trouvé comment ça marchait. Et j'ai également fait un Rotary Macérateur, donc c'est dans le même craft que la Nuxtral Furnace. Également un Singularity compresseur, donc c'est pareil, ça fait avec de l'obsidian. Donc ils sont là, ici, et le macérateur ici, qui cuit. Ah, c'est pourquoi il cuit? Ah non, il cuit pas. Voilà, et donc bah, vous venez de voir que là, ici, la vitesse elle est pleine, le heat il est plein, et la pression, j'ai oublié de la mettre. Voilà pourquoi. Donc, bon, je vais vous montrer comment on fait. Bon, c'est pas bien dur, hein. Donc, tout ce qu'il faut en fait, c'est donner un courant. Je l'avais pas activé. Voilà. Faut juste donner un courant de redstone et c'est tout bon. Donc, c'est pas bien compliqué. Donc, on voit que là-dessous, il y en a un. Je peux reboucher ici. Et là, il est dans le mur. Excusez-moi pour le bruit. Je le mets juste sous silencieux. Voilà.
Comme ceci, c'est mieux. Donc, également, ici, je vous promets de le faire dans le prochain épisode. Comme ça, j'aurai un épisode complet pour le faire. Et puisque maintenant le panneau solaire, c'est plus important, puisque ça a complètement changé et c'est la base de notre énergie. Donc, tout ça, ça on a, ça on a, ça on peut avoir facilement. Il nous faut donc un Industrial Blast Furnace. Hop. Et un Silicon Cell. Oh là là, c'est assez compliqué quand même à faire un panneau solaire maintenant à voir. Bon, on va déjà commencer par. En fait, ah, on n'a même pas besoin d'avoir des autarchiques, parfait. Donc en fait, il nous faut juste ça. Donc il nous faut un Industrial Blast Furnace. Et ça va donner ça et deux comme ça qu'on pourra remplir à nouveau là-dedans. Ok, donc il nous faut d'abord un Liquid Transposer. Un Liquid Transposer. Il est où? Ils sont bien quoi, voilà. Ah, ça, oh là là, d'accord. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon, et ça c'est bon. Ok, pas trop dur. Alors, j'ai vu qu'il nous fallait un peu d'or. Hop, allez, on prend 10. Un peu de fer aussi également. Pardon, un peu de redstone. Toujours de la redstone, hein, c'est un minerai assez important. Alors, tac, on va déjà faire ça. Donc, tac, tac, et tac. Je crois qu'on doit même en faire deux pour celui. Enfin, je vais déjà en faire deux parce que je sais très bien que j'en aurai besoin pour après. Voilà. Ensuite, si je me rappelle bien, il nous faut un machine frame. Ok, 4 verres encore. Hop, 1, 2, 3, 4. Et je crois qu'il nous faut. Non, il nous faut. Peut-être que oui. Ouais, encore 2. Voilà, c'est ce qui me semblait. 2, voilà, comme ceci. On peut déjà prendre aussi les 2 copper. Et je crois que c'est tout. Hop, et un seau. Et le seau, je crois qu'il est. J'en ai un ici. Pardon pour les vibrations de mon intel. Enfin, si, je sais pas si vous entendez, mais j'espère en tout cas que non. Ça ne vous gêne pas pour écouter la vidéo. Bon. Hop, alors nous avons notre machine phare, frame. Et ensuite, il nous faut faire ça, 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 et ça. Non, c'est pas comme ça. Je me rappelle plus. Ah oui, le saut. Oula. Voilà, notre machine fera. Et également l'industrial. Blast Furnace. Voilà, donc, est-ce qu'on. Donc, il faut juste. Voir. Non, bon, bah, on sert un machine block 4 alors, il nous faut deux comme ça. Deux comme ça. Donc j'en ai refait pas mal quand même, j'aurais aussi en reprendre un parce que j'ai besoin. Non, je sais plus si j'en avais besoin d'autres. Je vais prendre aussi ça, j'en ai aussi besoin. Et du fer raffiné. Hop, voilà. C'est plus facile de le faire comme ça qu'avec l'autre manière. Donc je vous montre que c'est possible de faire différemment que comment c'est écrit. Enfin, pas tout à fait différemment, mais. Je vais juste vous expliquer ça, même si je vous l'ai déjà expliqué, genre c'est lui. Donc par exemple ça, vous voyez, chaque item qui est là, vous pouvez le placer, donc voilà, comme ça, même s'il n'y a pas ce que vous avez là, parce que ça, voilà quoi, hein. Il faut encore faire ça, et voilà, c'est un peu chiant, pour le coup, par contre ça, on est obligé de le faire. Après là-haut, s'il y a des, attendez, j'attends, voilà, il y a ça, donc c'est bon, il nous faut encore juste... Ça et oh là, juste c'est pas juste. Et des induction furnace. Ok, alors on a ceci, les induction furnace. Comment il a fait le four électrique? Ok, iron furnace. Je crois que j'en ai encore. Et mince, un générateur. Bon, il me faut des, il me faut un,
2. Bon, on fait les deux, je crois, non? Ouais, voilà. Exacter un peu de fer. Je sais pas si on peut le faire avec ce fer-là. Hop. J'espère. Et ben non. Donc, il nous faut à nouveau du fer comme ça. Vous voyez, comme ça devient assez compliqué de faire tous les crafts juste pour faire un panneau solaire là. Alors qu'avant, c'était vraiment facile. Mais quand j'ai facile, c'était vraiment facile. Et ensuite, il nous faut ça. Donc, on a du copper, les têtes de copper. Dans la rolling machine, vous voyez. Alors, du ferrous ore, on en a. Et il nous faut encore du ça. Ok. Ok, alors du nickel, j'en ai pas encore. C'est pas normal ça. Ok. Ah, avec du ferrous. Ok, donc c'est juste du ferrous. Parce que j'ai pas encore de nickel. Ok, c'est pas ça. Je me disais que ça, enfin, ça doit être un nouveau. Ouais, attends, il nous faut ceci. Ok, donc dans la rolling machine, il nous faut du copper. N'oublie rien. Un peu de copper et également, hop. Également. Et voilà, c'est tout. Alors, c'est parti pour les machines. C'est pas celui-là. Tac. J'espère que vous voyez quelque chose, hein. Normalement, ça devrait être bon. Donc ici, pourquoi il n'y a pas... est-ce qu'ici, c'est... Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'énergie. Pourquoi? Je ne sais pas. D'accord. Pourquoi est-ce cassé? Heureusement que je viens de la laisser ici, hein, sinon ça m'aurait un peu énervé. Peut-être pas autant. Voilà, tout simplement comme ça. Et on place un bloc comme ça. Voilà. Hop, également. Peut-être pas deux. Maintenant, il faut juste attendre que ça charge. Donc, le copper comme ceci. Hop, il nous en faut deux. Puisqu'il nous en... ça va nous en faire 6. Et on attend qu'il se craft. Et en attendant, on peut... déjà placer la suite, tac, c'est-à-dire ceci qui normalement devrait se placer comme ça. Est-ce que... Ouais, alors c'est bon. Est-ce qu'il y a du coup, c'est tout bon. Je sais pas si vous voyez grand-chose. Hop, on met ça juste là pour l'instant. C'est vrai que j'ai oublié. Ah, mince. On... Plus si... Ouais, il faut que je fasse des... je vais le faire ici en fait. Bon. C'est déjà fait, il nous fallait... Ah non, ça c'était... Ah oui, ça c'était pour faire des electronic furnace. Oula, vous voyez comment on s'embrouille complètement. Electric furnace. Voilà, donc ça je peux les faire. Heureusement que j'ai tout avec moi, enfin pour l'instant hein, je sens que j'aurai sûrement pas tout. Hop, voilà, il manque déjà, j'ai vu ce qui me manquait. Maintenant je peux en faire qu'un, bien sûr. Quoi? Pourquoi c'est avec du copper? Ouais, en fait c'est juste pour différencier un peu des autres. Ah bah parfait en fait, non c'est pas parfait. Ok, donc voyons voir si c'est... Ah d'accord, toujours pas. Ah ouais, bah y a pas d'énergie qui arrive, hein. C'est clair que faut attendre un peu de temps. Faudrait que je puisse me mettre un peu... Je suis pas super fort en Redstone, donc je peux pas faire des trucs où j'active qu'une partie de ce que je veux prendre. C'est assez dommage, mais bon, on fera avec. Qu'est-ce qu'il me fallait donc? Deux comme ça. Et également deux comme ça, voilà. Bon, ça devient presque répétitif à la fin. Voilà. Au bout d'un moment, on commence à s'y faire et à connaître tous les crafts.
Tac. Tac, tac. Et tac, tac. Voilà, hop. Tac. L'électronique furnace. Et le copper autour. Est-ce qu'on a tout? Ça, on a les deux. Ça, on a le machine bloc, on l'a plus. Donc, il faut qu'on se le refasse. Voilà, hop, on a ça. Et maintenant, il ne manque plus que les trois. Ah non, il nous faut aussi. Ouais, donc on les aura. Hop. C'était pour se faire quoi? Ah oui, c'était pour faire ça en fait. Un industrial blast furnace. Donc ça, c'était ce que je suis en train d'essayer de faire. Et pour ça, il nous faut des silicone cells qu'il nous faut dans le liquide transposer. Il nous faut des empty cells et qu'on fait avec 4 tins. Donc on va faire pas mal. Le tin c'est ici. Bon, il y en a un peu toutes les couleurs de tin. Je vais prendre à peu près tout cela. On va tous les utiliser comme ça. Moi, ça fait pas de mélange de couleurs. Hop, hop, voilà. Comme ça. Oh, parfait. Tac. Comme ceci. Ma machine, on peut retourner. En attendant que les trois premiers puissent se faire. Je crois qu'avoir, il y a déjà d'avoir. Ah, ben, il y a déjà de l'eau. On va parfait. Non. Faut que je mette de l'eau. Ok, donc il faut que je vais me faire un saut ici. C'est pas bien grave, en plus j'ai de l'eau à côté. Hop. C'est pas grave pour les courants, hein, vous inquiétez pas. Non. Ah, c'est là. Non, non, non. C'est l'énergie. Non. Peut-être ici. Oh, on se calme. J'ai pas souvent utilisé ceci. Recipe. Non. Ok. Alors, attendez. Pourquoi on peut pas? Pourquoi? Ah. Ah, voilà. Hop là. Quoi? Il en faut autant que ça. Bon, bah, on va le faire, hein. Je crois qu'on peut même le faire avec ça, voilà. On va le faire avec ça pour l'instant. Et on va tous les poser là. Ça prend de l'eau. Non. Oh, vous êtes sérieux, ça ne prend pas l'eau de ça. Ils sont sérieux ceux-là. Est-ce qu'on peut les boire, les vider, je sais pas. Faut que ça se remplisse. Pourquoi ça se remplit pas de nouveau? Bon, c'est pas bien grave, on va poser ça là. Oh purée, ça marche pas. Pourquoi? Je m'excuse, mais c'est pour faire des silicone cells. Ah d'accord, maintenant faut que je mette. Super. Tac tac tac, alors ça c'est bon, il me faudra ça. Alors dans le liquide transposer, il faut mettre dans ce sens là, ça en haut, et voilà. On va en mettre un. Ah bah, le seau est vide. Comme ça. Il y a de l'eau ici? Non, il n'y a pas d'eau. Voilà. D'accord, ça marche une fois sur deux, hein. Je comprends pas trop pourquoi. Hop. Ok, dans la ring machine, on a déjà trois, c'est déjà pas mal. Ah, voilà, ça remplit déjà deux fois. Et maintenant, comme ceci, on met comme ça. C'est un peu bizarre comme ils ont fait. Et mince, c'était dans l'autre sens. Comme ça. Ah, voilà. Ça part me sert à me remplir d'eau. Ok, alors c'est quoi ce beans? Si. Un petit cerf. Du si. Dans le scrapbox.
une industrial centrifuge. J'aimerais ça, moi. Pour le coup, ça ne me... Bon, peut-être qu'on va essayer avec ça. Peut-être ça marchera avec l'eau. Allez, 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 allez. Allez, allez. Pourquoi j'avais besoin de ça, en fait? Je n'aime plus. Et pour l'industrial blast furnace. Industrial blast furnace. Bon. T'aimes les crafts ou pas? Je sais que ça fait 20 minutes, on va le finir le reste dans le prochain épisode. On va juste faire la Industrial Blast Furnace s'il veut bien. Et ici, on va même faire des. On a. Hop, on... Tac. Ça montre que ça finit celui-là et ensuite ça. Ça en prend l'autre. Allez! 495. Allez, allez! Non mais ça rigole là quoi. Ah! D'accord. Merci. J'avais oublié ce petit détail. Alors, tac. J'ai pas tout. Respire, c'est là. C'est le gros beans. Alors, il faut que je me recrafte tout ça. Vous voyez comme. Je crois qu'il faut que j'en fasse plein. Je crois que pour la prochaine fois, je vais en faire. Là, ça on va laisser là. Voilà. Alors pour l'instant, on va se prendre celui-là. C'est pas bien grave. Hop, 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 hop. Et voilà. Alors, il nous faut. On va se faire le petit point d'interrogation. Puis que c'est un petit peu. Oh, mais vous êtes sérieux? J'aurais pas. J'étais même pas obligé de le faire. Il me semble. Je crois que j'avais vu. Avec un simple machine block. Non, 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 non. Ah bah non. Bon, alors on pose ça là, on pose ça là, là, on pose ça là, 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 et là, et on pose ça là, et là. Voilà. Ça on a déjà fait deux machines. Deux machines. Et on va même se permettre. Ah non, bah pas ici, je pourrais pas le faire. Donc il faudra à chaque fois que je fasse de 1 de haut. Sinon l'énergie ne va pas passer. Il faudra que j'allonge le terrain. Mais pour l'instant, je vais pas le faire. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Est-ce que ça marche en mettant juste ça là-dedans? À voir, non. Bon, on a vu comment marchait la rolling machine en quelque sorte. Et également la rolling machine. Et également, enfin non, pas tout à fait, mais on a vu comment crafter. Ah, il y a de l'énergie qui prend là. Ah, peut-être c'était pour ça. Alors attendez, on va juste essayer. Hop. Non! Il est pas si où, il a carrément disparu là. Merci. Trop gentil. Ok. Je vais essayer de comprendre comment ça marche. J'ai un doute. Hein. Enfin, ça a quand même changé depuis la dernière fois et je me suis pas informé en pensant que c'était pareil. Pourquoi modifie-t-il les trucs qui sont censés être la même chose? Ah ouais, c'est bon en fait, j'ai toujours autant d'énergie. Voilà. Bon, voilà, donc on a vu comment crafter un liquide. Transposeur et un industrial blast furnace et comment marche la rolling machine. Donc, prochain épisode, un petit détour juste par ici pour se crafter le premier pod solaire. Et ensuite, nous ferons notre salle des coffres. Peut-être en plusieurs épisodes parce que ça va durer longtemps. Peut-être des ellipses parce qu'au moment vous allez bien comprendre ce qu'il faudra faire. Voilà là, ok, ça devient toujours plus dur. Oh là là, carrément, il nous faut de l'ullumateur pour le deuxième panneau solaire. Alors qu'est-ce qu'il nous fallait? Rien du tout. Voilà. Non, c'est quand même pas rien du tout, mais c'était beaucoup plus simple. Perso, je préfère cette méthode-là. Mais c'est pour ça que je voulais pas trop passer en ultimate. Mais aussi, c'est que où je pense que tout le monde parmi vous est sur le dernier pack parce qu'il voulait la nouveauté, la mise à jour, etc.
Donc c'est normal, je vous comprends. C'est pour ça que je fais en ultimate et qu'il faut que je m'améliore également un petit peu. Parce qu'à voir, il y a pas mal de choses qui ont changé. Allez, bye bye, profitez bien. Ciao.